Les journées de l'étudiant en licence professionnelle et en hôtellerie, tourisme et guidage touristique ont démarré effectivement le vendredi 29 juillet 2022 à l'université d'Abomey-Calavi. Cette deuxième édition visait pour objectif d'amener les étudiants irresponsables après plusieurs mois de dur labeur à une réjouissance. Elles ont également permis de faire connaître les domaines de formation et les activités de cette école. Cette filière est prioritaire pour l'université, pour le Bénin. On fait l'hôtellerie, on fait la restauration, on fait le guidage. Le guidage, c'est pour ne pas faire connaître, n'est-ce pas, donc nos sites touristiques, n'est-ce pas, aux étrangers ou bien à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, connaître donc le milieu touristique. Et ça, je crois qu'on est en train de le faire. Deuxième aspect, la restauration, c'est pour faire connaître, n'est-ce pas, nos mets préférés. Et ce soir, ah donc, démonstration, n'est-ce pas, des mets. Il y a un concours de mets ce soir. Et ça permet donc de faire connaître nos mets. Pour que, n'est-ce pas, donc, vous savez, un pays est marqué par ses mets. Parce que la gastronomie est très importante pour un pays. Au tourisme, on sait déjà ce que c'est. C'est d'ailleurs, n'est-ce pas, un point prioritaire pour le B, pour, n'est-ce pas, notre pays, notre président, cher président, qui en fait, n'est-ce pas, donc, a fait de ça le label, n'est-ce pas, de notre pays. Je crois que nous sommes dans la même ligne. Connaissent pas le problème du gouvernement à ce niveau-là. Et je crois que ce qu'on appelle ce soir, c'est pour nous faire connaître. Donc, cette activité-là, c'est récréatif, d'accord. Mais c'est pour nous faire connaître dans ce que nous faisons et pour nous faire connaître donc le Bénin un peu partout. La licence professionnelle en hôtellerie, tourisme et guidage touristique de l'université d'Abomey-Calavi donne à ses étudiants des compétences approfondies dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la culture. Son point fort est d'accorder une place importante à la pratique, soit 60% des enseignements donnés et 40% seulement de théorie. Cette formation vient donc pour combler le vide de professionnels constatés dans un environnement de plus en plus exigeant et ambitieux. Caravane, interprétation, théâtre, match de gala et diverses activités ont meublé le programme. L'occasion a été donnée aux étudiants de montrer le savoir-faire en matière de cuisine, d'hôtellerie, du tourisme et de guidage. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est passionné, l'assimilation des notions dans la pratique et dans la théorie est plus ou moins facile. Donc juste là, actuellement, les étudiants assimilent bien les éléments qui vont leur permettre d'être de véritables acteurs dans le domaine demain. Joie et satisfaction étaient les sentiments des étudiants sortis massivement pour s'égayer. La journée de l'étudiant, elle est d'abord très réussie parce que depuis hier déjà, ça a bien commencé avec une caravane où il y a eu du monde, on s'est beaucoup amusé. Ça nous permet de nous détendre et de finir avec le stress qu'on a engrangé durant toute l'année. C'est très bien organisé et c'est très plaisant aussi. Grâce à notre journée, c'est pas seulement pour s'amuser, mais on dit après l'effort, c'est le réconfort, oui, mais nous mettons aussi en valeur tout ce qui est notre culture. Nous mettons en valeur nos tenues, nous mettons en valeur nos mets locaux. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire à travers nos journées culturelles. Ils se sentent confiants en l'avenir au regard du contenu de la formation qu'ils reçoivent dans un contexte politique encourageant. La manière dont nos enseignants nous forment ici, c'est la très bonne façon d'enseigner les enfants. Nous avons directement notre cuisine pédagogique, nous avons notre restaurant pédagogique, nous avons l'agence de tourisme d'application également. Donc les étudiants sont programmés chaque semaine après les cours de la matinée. Dans l'après-midi, nous sommes au restaurant pédagogique pour la pratique. C'est en ça que je trouve que c'est la pure manière d'enseigner l'hôtellerie et le tourisme au Bénin. C'est une licence professionnelle. Le gouvernement actuel promet nous ouvrir plusieurs portes par rapport à ça. Donc il n'y aura plus de chômage et en plus on peut s'auto-employer. Cela peut me profiter car je veux travailler à mon propre compte et pour l'État. Les parents, témoins des prouesses de leur progéniture, expriment leur satisfaction. Les apprenants expriment leur profonde gratitude aux diverses autorités, en l'occurrence le coordinateur de la formation et aussi aux corps enseignants dévoués ou professionnels.
Je remercie les autorités à divers niveaux de permettre déjà qu'il y ait des formations comme ça au sein de l'Université d'Abomey-Calavi parce que c'est très profitable pour nous les jeunes. Je tiens juste à remercier les autorités de la coordination de notre école, de la haute école. Je tiens à remercier M. le recteur, M. Félicien Avlissi, le recteur de l'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi, et ceux de FACH, le doyen de la FACH et tous. C'est ceux-là que je tiens à remercier parce que c'est grâce à eux que nous sommes ici aujourd'hui. C'est grâce à eux d'abord la formation a été créée et que nous sommes là. Nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Dans un contexte politique où le chef de l'État béninois met au cœur de ses actions le tourisme et l'hôtellerie, les formations en licence professionnelle sont les bienvenues car elles offrent des compétences sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, franchement, pour vous dire la vérité, grâce à cette formation, je vis déjà ma vie. Bien, mais je n'ai pas encore fini, mais le peu que je vais manger par jour, je l'ai déjà. Donc ça m'est vraiment profitable, vraiment. L'organisation rigoureuse de cette formation et la volonté affichée des autorités rectorales pour accompagner cette politique du président Patrice Talon garantissent une bonne contribution de cette filière au développement du Bénin. Les journées de l'étudiant en licence professionnelle en guidage, hôtellerie et tourisme ont pris fin le samedi 30 juillet 2022 sur une note de satisfaction et un regard tourné vers l'édition prochaine.